Question d'Émilie Alexandre qui me dit « Bonjour, encore une fois, mille merci pour ces lives et tout ce qu'ils apportent. Merci. Ma question pour ce soir serait « Pourquoi ai-je une telle peur du conflit ? Cela me paralyse totalement. De même que quelqu'un qui se met, ne serait-ce qu'un peu en colère, me tétanise complètement. Merci pour l'éclairage que tu pourras m'apporter. Bonne soirée, Émilie. » Intéressante la question. La paralysie t'empêche d'agir. Mais pas forcément pour les raisons que tu crois. Ta peur du conflit ne dit pas de toi que tu es une trouillarde, que tu n'as pas de courage. Au contraire, tu en as. Tu en as, Émilie. La peur qui te paralyse, ce système-là que tu as créé, cache et permet de freiner chez toi ces élans de courage, cette part, ce mademoiselle ou madame courage avec son super t-shirt, avec marqué ça. Autant tu es tétanisé, autant tu as cette force de pouvoir te mettre en face de cette personne qui se met en colère. Exactement comme ça me rappelle l'image d'une ancienne vidéo de... Je sais pas de quand ça date, mais ça a l'air assez vieux. C'est en Chine et on voit un homme, un inconnu, se mettre devant un char et ne pas bouger. Le char part à gauche, il se met à gauche et ne bouge pas. Le char part à droite, il se met à droite et ne bouge pas. Et cette image reste gravée dans ma mémoire, comme étant la définition même du courage. Le char fait semblant d'avancer. Cette personne ne recule pas d'un pas. Voilà comment je pourrais définir qui tu es vraiment. Au-delà de ce scénario que tu te fais goûter à toi-même, voilà qui tu es, Émilie. Et je ne te dis pas ça pour t'encourager, je ne dis pas ça parce que je suis gentil. Parce que c'est ta responsabilité de savoir que tu es exactement comme la personne qui est en conflit, comme la personne qui est en colère. Parce que si tu le vois à l'extérieur, si tu vois quelqu'un se mettre en colère dans ton environnement, ça veut dire que tu as cette chose et que tu es cette chose à l'intérieur. Pas exactement pareil, pas exactement au même niveau, mais ça veut dire que tu l'es. Chaque chose que l'on voit à l'extérieur est ce qu'on est à l'intérieur, au niveau humain. On a cette facette à l'intérieur. Tu as cette facette de conflit, tu as cette facette de colère, puissante même. Alors pourquoi tu joues ce scénario bizarre de « Trouvez-moi et je fuis ». Derrière cette paralysie, je sens une énergie de transformation énorme. Que ce que tu mets comme définition, comme vibration, comme graine vibratoire derrière cette tétanie, fait partie de toi. Cette puissance est la attendant patiemment que tu veuilles bien, que tu dédaignes
Allez la regarder. Allez lui dire bonjour. Tu te refuses à être qui tu es. Et quand je dis que c'est du dédain, c'est du dédain. Tu te penses au-dessus de tout ça. Tu te penses ne pas avoir à toucher à cette souillure qu'est la colère, qu'est le conflit, qu'est la maltraitance. Toute cette ombre, tous ces concepts que l'on nomme ombre, qui ne sont en fait que des expériences. Au fond, c'est une peur de la vie que tu me décris. À te laisser emporter, à te laisser mouvoir, à te laisser te transformer à travers les émotions humaines. De peur, de joie, de colère, de dégoût. Comme si une part de toi qui veut garder le contrôle pressentait que si tu vas plus vers ça, tu vas devenir beaucoup plus fluide, tu vas devenir beaucoup plus malléable. Mais retiens le mot fluide. Malléable, c'est connoté souvent négativement, mais pour moi, ce n'est pas négatif. Comme si le personnage d'identité que tu étais était un bonhomme de pâte à modeler ou d'argile fait d'eau, de boue, de feu et d'air. Et que grâce à ces émotions, tout se transforme dans ce personnage. Derrière ça, alors, je ne sais pas si c'est la relation à ton père. J'aime pas trop aller vers ce genre de chemin, mais c'est le masculin en toi. Et ça encore, je n'aime pas ce genre de terminologie. Mais on va dire que... Ok, non, je ne vais pas dire que c'est le masculin, parce que c'est pas le masculin, c'est ton côté tranchant. Est-ce que tu oses exprimer la vision incisive que tu as? Est-ce que tu oses exprimer ce que tu perçois des autres? Parce qu'avec ça, tu remets en cause l'ordre établi. Que ce soit au travail, dans ta famille, dans ton couple, avec tes amis. Tu es capable de remettre en cause de manière concrète des situations. Et tu t'y refuses parce que ça te permet de conserver un statut privilégié de petite fille, quelque part. Abandonne la petite fille. Et émerveille-toi de qui tu es maintenant, en tant qu'adulte. Recrache ce que tu veux recracher réellement. Vomis ce que tu veux vomir réellement. Crée ce que tu veux vraiment créer en modelant et remodelant ta réalité à travers tes pensées, à travers tes mots, à travers tes attitudes, à travers tes gestes, à travers tes actions. Et ce faisant, tu deviens l'artiste de ta vie. Acceptant de te laisser mouvoir par ce qui se passe dans l'instant, par ce qui se passe maintenant, quelle émotion vient, quelle identité vient. Quel masque vient, et tu décides de le jouer pleinement. Donc il est question de te lâcher la grappe et de prendre le pouvoir, si je te résume tout ça. Mais tout ça n'est rien. Je le dis et je le répéterai, chaque facette, chaque phénomène qui nous traverse n'est pas ce que l'on est. On se gourre
totalement si l'on pense que notre identité, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, nos ressources, nos qualités, nos défauts, nos pensées, nos émotions sont à nous, qu'elles nous appartiennent et qu'elles nous définissent. Nous ne sommes ni nos pensées, ni nos émotions, ni notre corps. Nous sommes bien au-delà et bien plus puissants de tout ça. Tout ça n'est qu'un rêve. Alors joue. Merci pour ta question et bonne soirée.